find something to drink. Et nous sommes repartis pour notre survie du week-end. Ouh, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'eau. Donc on a une petite pause. Donc on va repartir. On a encore la bouteille ici, très bien. On n'est pas encore complètement reposé. On a beaucoup de choses de côté, ça c'est bien. On n'est pas encore complètement reposé. Est-ce que j'ai du charbon sur moi? J'ai du charbon en 6. On va en déposer encore un peu. On va faire ça, tout jeter. Et on va faire 1, 2, 3, 4. Ah, très bien. Donc, ce qu'on va faire dans cet épisode, comme j'avais dit la dernière fois, en fait, on a passé beaucoup de temps à pêcher. Et j'ai envie de dire que c'était plus ou moins une perte de temps. Perte de temps, perte de ressources. C'est vraiment inutile, honnêtement. Pour notre niveau, c'est vraiment inutile. Il faudrait qu'on ait... on va dormir un peu plus. Il faudrait qu'on ait genre plein de livres et qu'on lise en fait des livres pour la pêche. On n'a pas monté vraiment de niveau non plus. Ouais, c'était vraiment honnêtement une perte de temps. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire ça avec. On a encore des pots qui sont en train de sécher. On a les pots de serre là qui doivent sécher. Donc on avait dit la dernière fois qu'on allait encore rester un peu là. Se balader et tout ça. On va voir s'il y a les loups qui sont revenus. Normalement, les loups sont revenus. Donc, on va aller les chasser. On va aller les chasser. Et on va... Alors, essayer de trouver des choses qui nous manqueraient ici. Je pense qu'on a fait le tour, honnêtement. Je pense vraiment qu'on a fait le tour. Mais le temps que les pochets sèchent, les boyaux sèchent, les trucs comme ça... donc ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais repasser encore un tout petit peu de temps ici. Ok, il est là. Très bien. Il y a encore, je crois, peut-être des massettes de ce côté-là. Je sais pas si on est vraiment allé de ce côté-là. Je crois pas. Hein. Ok, il y a un deuxième loup en plus. Ça marche. On va avancer. Normalement, il doit sprinter aussi, normalement, pour me suivre. On va le tuer devant la grotte. Après, on ira se réchauffer directement dans la grotte. Ah, il nous faut du bois, par contre. Il nous faut vraiment du bois. Ouais, plus rien. Ok, on va se... Ouais, ici, c'est pas mal. Hein. Ok, c'est pas mal. Très bien. Ok, parfait. Toujours attendre un peu le dernier moment et tout ça, hein, on commence à bien s'y faire. Toujours un peu attendre avant de tirer. Voilà, très bien. Ça aussi très bien. Il nous faut de l'eau. Ah, il nous faut de l'eau et du bois. Hein. C'est un peu triste le fait qu'on ait, j'ai envie de dire, gâché. Gâché autant de bois. C'est vrai que j'avoue, pour la pêche hein, je parle, c'est vrai que c'est quand même énorme. On a celui-là à 99%, 96, 99. On a encore ça, mais il nous faut des boyaux pour coudre. On a ça à coudre, donc il nous faut des boyaux séchés. Là, il nous faut juste du tissu. Là, il nous faut aussi des boyaux du coup, donc ça nous ferait deux boyaux, ça non. Après on a les pantalons et les bottes, 3 boyaux, là aussi ça à chaque fois c'est un boyau, donc ça va 4, 5, ouais, il nous faut des boyaux, il nous faut un peu plus de boyaux. Alors on a eu un loup, alors ce qu'on pourrait faire c'est récupérer la viande et faire cuire à l'intérieur, comme ça ça nous éviterait la peur de perdre le feu. Mais on n'a pas de bois. C'est ça qu'il nous faut, c'est du bois. Je l'avais pas récupéré la flèche. J'avais peut-être pas récupéré. Je sais pas, j'ai peut-être cliqué dessus et... Pas accepté en fait.
Alors, où est-ce qu'il y aurait du bois à récupérer? Sure getting cold. Ah putain, il est déjà là. Il m'a déjà flairé. Non, y a pas grand chose de ce côté là. Il m'a déjà flairé. On va remonter doucement. On va peut-être se réchauffer, je pense, le temps de... Ou alors on l'attaque maintenant, je sais pas. Je sais pas trop. J'aimerais ne pas trembler en fait. Ouais, j'aimerais ne pas trembler pour la dague. Ça fait un petit moment que j'ai pas touché au jeu, donc je voudrais que bien le prendre. Je veux que le boyau là soit fini en fait. Comme ça on peut réparer. Yes, ok, boyau séché. Ça très très bien. Alors hop. Préparer 22 minutes, on va utiliser ça. Voilà, parfait. 100% directement, ça c'est magnifique, c'est très très bien. Prendre ça. On va sécher. Préparer. Ok, parfait. Ça aussi c'est bien pour la couture avec des vêtements en peau, parce que on n'utilise pas de tissu, ça qui est bien, ça qui est vraiment bien. Et après je pense qu'on retournera à Blackrock, hein, du coup. Je pense qu'on retournera en plein Blackrock. Par contre, le chemin de retour va être un peu chiant. Je crois qu'il y a des cordes à prendre. Je me rappelle plus vraiment. Il y a quoi? Il y a des cordes, il y a un pont. Il y a pas mal de choses. Bon, il est passé où le petit chien-chien? Bon, après, s'il est pas là, moi je fais le tour pour trouver du bois. Ça me dérange pas. Bon, il a dû repartir de ce côté. Autant en profiter pour récupérer du bois. Ouais, pas grand chose. Bon, il fait pas trop froid, ça va. On va devoir aller sur l'autre rive, je pense. Pour trouver du bois. Entend des loups. Okay, pour le moment, il n'y a rien. Ah, là, la montée, ça fait un peu peur. Il est là. Ok, très bien. Ouh. Oui, la montée. Les montées comme ça, c'est toujours des risques. Hein. C'est toujours des risques. Il y a toujours un truc qui se balade, qui vous flaire. Il y a beaucoup de parts. Je pense que c'est lui qui faisait des allers-retours. Voilà, donc il y a ce petit morceau. J'en avais parlé plusieurs fois où j'ai pas tout pris. Donc on va voir, genre derrière le rocher là qui est pile devant moi, on va voir s'il y a quelque chose. Je pense pas qu'il y ait quelque chose, mais bon. Au moins on aura tout fait. Du bois. Je perds du bois. Ah ah, ok, il y a quelque chose. C'est pas mal.
c'est pas mal. Ok, ouais, non, y a pas grand chose, mais il y a ça. C'est un peu comme de l'or. C'est un tout petit peu comme de l'or, ça va. Ok, on a froid. Je dirais qu'on peut aller jusqu'au à l'autre camp, à la limite. C'est possible qu'il y ait encore des loups là-bas. Genre un qui se balade. Je suis en train de me demander si la flèche, elle s'est pas dédoublée. Vous vous rappelez que... Je crois que c'était dans cette saison, mais genre il y a sûrement un an, quoi. Où des fois il y avait des problèmes comme ça, où les objets se dédoublaient. Genre quand ça tombait, genre les flèches, elles se dédoublaient, ou un truc comme ça. Je crois que c'était arrivé. Ah non. Ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? Pas grand chose. Ok, très bien. Là on a un peu plus d'eau et tout ça. Ok, parfait. Parfait, parfait. Alors, fais voir un peu. Ça, orange. Très bien. Donc là, on a quoi? On a du combustible pour lampe. On a la bombe de peinture. Attends, on a mis quoi là-dedans? Du métal, des plumes. Ok, ok, ok. Jeune boulot séché. On peut faire des fûts de flèches. Là, ok, on a ça, on a ça. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on pourrait faire ici. Parce que le problème, c'est que je veux bien faire des fûts de flèches, genre plein de fûts de flèches, genre ici. Parce que c'est facile, du coup. Mais ça va nous prendre un moment, en fait. Fûts de flèches ici. Jeune bouleau séché, ça c'est ça. Jeune bouleau vert, ouais, c'est ça. Nous, on a récupéré... Ça, c'est pour faire... Jeune érable, c'est pour faire les... les arcs, là aussi on a des peaux de lapin, on a des boyaux frais. Il nous faut plus de boyaux. Alors je sais pas si ça vaut le coup de rester ici en fait. Enfin, est-ce que ça, enfin, ça va pas être intéressant, c'est ça le problème. C'est ça le problème que j'ai, c'est que on n'a pas grand chose à faire ici. C'est ça le truc. C'est qu'on a, on a vu un peu tout. On a vu un peu tout ce qu'il y avait. À part tuer les loups là qui se baladent. Ah, je suis en train de réfléchir. Là. Il y a le l'ouvre-boîte, on va le garder sur nous de maintenant. Parce que vu qu'on peut utiliser les conserves, ça nous évitera de forcer. Je me réchauffe en même temps. J'essaye de réfléchir et me réchauffer. Genre là, on pourrait ça. Ah mais j'ai pas de. Ouais, non, j'ai pas de. Du cuir séché. J'ai pas de, de boyaux. Ouais non, c'est les boyaux qui nous manquent en fait. C'est complètement les boyaux. C'est complètement les boyaux. Allez, on ressort. Il nous faut du bois. On a quoi? On a encore ça, ça.
très bien. Faut qu'on aille récupérer en fait les boyaux et tout ça du loup là qu'on vient de tuer. Enfin, des deux, j'ai envie de dire, les deux. On n'avait pas un truc à couper ici. Non, on l'avait fait, on l'avait fait. C'était un baril. Je crois pas que c'est assez lumineux pour utiliser la loupe, ce qui est bête. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut couper. Du coup. Couper là. Ah, ah, ah. Là, peut-être que... Peut-être que si... On peut sûrement utiliser la loupe. Mais faudrait faire du feu en fait devant la maison. Donc du coup il faudrait récupérer tout ce qu'il y a sur le loup ici. Et on retourne à la maison. On perd du temps à... À faire ça là, à de grimper en fait ces petites cinématiques. Ouais, là je voudrais bien en profiter de la loupe. Ok, très bien. Très bien, très bien. 3. Si on fait comme ça. Ouais, non, mais. Ah, attends. 18 minutes. Il faudrait tout récupérer en une fois. On va avoir un peu froid, je sais. La peau, la fourrure, on s'en fout. Oh, so cold. La fourrure, on s'en fout. On n'a pas de vêtements en fourrure. Comme j'ai dit, on peut toujours essayer... J'en avais parlé plusieurs fois, ça. Faut que j'arrête d'en parler. Genre faire des vêtements pour l'excursion, genre pas trop loin, genre autour du périmètre où on campe. Genre on aurait des équipements un peu plus légers. Et après, des équipements plus lourds, genre en ours, des trucs comme ça. Pour les excursions loin. Mais bon, au final... Ça sert à rien. Ça servira à rien en fait de faire ça. Ça servirait strictement à rien. Je crois qu'on avait vu des cerfs, je me rappelle plus où par contre. Je me rappelle plus du tout où. Droite ou gauche? Je sais plus. Je sais plus. La loupe, faire du feu. Très bien. On va faire cuire ce qu'on a. Très bien. Okay, parfait, on va se réchauffer vite fait. Alors, on a les boyaux. Pam pam. Nos 3 plumes de plus. Qu'il faudra surtout pas oublier, parce que 31 plumes. C'est beaucoup, on a le tissu à prendre, on a la ferraille, je sais pas si c'est utile la ferraille. Si, ça reste utile la ferraille. Ça reste utile. Donc on a ça. Boyau frais. Ça c'est 99, très bien. On va pouvoir faire le fût de flèche.
Comme ça, on en aura une petite partie. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a la viande, je l'ai déposée par terre avant de rentrer. On est à 35 kg, on est très très léger. C'est cool. Je sais pas pourquoi on est très léger. Bah parce que j'ai pas de bois, rien en fait. Ouais, non, j'ai pas grand chose sur moi. Ok, très bien. On sort. J'espère que le feu est assez chaud. Et les conserves aussi, faudra prendre. 49 minutes, 2 heures, plus 12, ça va. Enfin non, ça va pas en fait. Mais on va se débrouiller. Là on n'avait pas laissé de bois. Ouais voilà, on n'avait pas laissé de bois parce que c'est trop loin et pas intéressant. Là on a des palettes, 29 minutes avec la hache. Commence à faire froid. Commence à faire bien froid. Il n'y a pas de bois. Peut-être là-bas. Ouais non, j'avoue que là je commence un peu. Là on commence un peu à tourner en rond parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc quand on arrive à ce niveau-là en fait de l'expérience, j'aime pas trop. Parce que même pour moi, c'est pas vraiment fun. Parce que j'aime l'exploration. Ouais, il n'y a rien en fait. J'aime l'exploration. Mais ouais, après s'il faut rester sur place et pas faire grand chose, tourner un peu en rond, passer du temps genre à crafter ou des trucs comme ça, c'est pas vraiment fun. Donc je préfère faire ça. Genre... genre de mon temps libre, vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va voir si on peut faire... Ça dure combien de temps? Parce qu'on a le... À 1h, 39 minutes. 39 minutes, je crois que c'est bon, hein. La viande elle va pas brûler quand même. Elle est bonne, ouais. Ok, très bien. Il y avait au moins 29 minutes de préparation de viande, elle va pas brûler. Ouais, très bien. Alors, 40 minutes. Okay, parfait. On va faire les autres flèches, les autres fûts de flèches. Très bien. Comme ça, ça sera prêt. On va le faire au couteau. Ça va, ça se passe bien après ici. Hein. Comme j'ai dit, hein, cet endroit est vachement cool. Hein, est vachement cool. Tant que vous avez des têtes de flèches et des arcs. Enfin non, même pas les arcs, parce qu'on a trouvé les bois pour faire les arcs. Donc même ça, hein, vous tombez jamais à court. Il y a des boyaux parce qu'il y a des loups. Donc c'est nickel. C'est vraiment, vraiment très bien ici. 3 minutes. Casser des palettes. 30 minutes. Au potable, très bien. Ok. 38 minutes. 1 heure, très bien. Pas mal là, c'est pas mal. Une tempête qui se lève. Parce que pourquoi pas. Faut qu'on boive un peu. Oh lolo. Lolo, potable, très bien. Après, qu'est-ce qu'on a à faire? Non, on n'a rien à faire. Voilà. Ok,
Très bien. Bah voilà, ça se passe très bien. On a encore 3 steaks. Il n'y en a pas un petit, ouais, comme ça. Si on prend aussi, là on a de l'eau. Ça se passe super bien. Voilà. Ok, très bien. Là on a encore de l'eau à faire, on a ça. On va poser le bois, le surplus de bois qu'on a. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc nous on est ici. Ici, ouais, ça c'est le coin de pêche. Et après, il y a la grotte qui est où? Ah oui, je crois que c'est à gauche, hein, c'est ça. Je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est à gauche la grotte. Faut passer la l'eau. Et après, la grotte. Je sais plus où ça menait. Ça menait à la vallée charmante, hein, c'est ça. Hein, ou avant, il y avait un éboulement. Maintenant, il n'y en a plus. Est-ce que il y aurait autre chose à faire? Bon. Ouh. 2 heures pour 7. C'est pas mal. Ça serait. Ouh, 16. 2h30 pour 16. C'est pas mal. 2h. Intéressant. Après, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à faire. Ouais, non, c'est pas fun. C'est pas très fun. Qu'est-ce qu'il y a? Presque nuit. Je pense qu'on va tout simplement continuer à vivre, quoi. Genre, c'est chiant la vie, hein. La vie, c'est pas tout le temps des aventures magnifiques et tout ça. Ah oui, ce qu'on peut faire, oui, oui. Attendez, il reste. Eau potable. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Est-ce que la vie, hein, c'est des fois on se fait chier dans la vie. Bah là, c'est ce qui se passe, c'est qu'on se fait chier. Y a pas grand-chose à faire. Donc, parfait. Parfait, parfait. On a 11 hameçons, on a des fils, on en a 8. Faudrait faire ouais, des fils encore en plus, peut-être. 6 minutes. Où est-ce qu'il pourrait avoir du bois que j'ai pas vu? Ouais, il commence à avoir une grosse tempête là-bas. On va pas pouvoir bouger. Ah oui, on était allé tout au bout, je m'en rappelle. Il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu un ours ou pas? Je me rappelle plus. Non, hein, je pense pas. Hein. Je me rappelle plus du tout. J'ai un doute. Je me rappelle plus. Faudrait que je regarde mes épisodes. Je me rappelle plus si on a rencontré un ours ou pas. Je m'en serais souvenu quand même. Je pense que je m'en serais souvenu. Alors, eau potable, eau potable. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voir les pots où elles en sont et tout ça. Là. Voilà, tout.
n'explore rien, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis à court d'idées en fait. Là on a combien de... On a 7 tissus. Le tissu on n'en a pas, hein. Je me rappelle plus si on avait trouvé un endroit où en récupérer, je pense pas. On pourrait réparer nos vêtements. On pourrait faire ça. 22 minutes. Ouais, ça va être plus long, ça va être 36. Je crois qu'on va perdre l'eau si je fais ça, non? On va voir. Ça aussi, ce serait bien qu'on arrive au niveau supérieur. Eau potable, très bien. 8 minutes. On va laisser le feu mourir. Il nous reste 3 litres, on a ça. Hop, très bien. J'entends quelque chose qui approche. Non, non, c'est cet endroit à chaque fois, il y avait des bruits bizarres. Ok, on va rentrer. Je pense qu'on va coudre encore un peu. Et on va dormir tout simplement. Et après on va voir ce qu'on va faire le lendemain. On va se mettre à côté du lit. Donc vêtements, donc il y a ça. Réparer, très bien. Voilà, un tissu. Parfait. Parfait. Il nous reste plus que ça en loose. Ça on pourrait le réparer aussi. Pourquoi pas. Réparer. Va récupérer les tissus qui restent dans la boîte. C'est très bien, on va se mettre à côté du lit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les vêtements, ça va. Les vêtements, ça va mieux déjà. On s'est bien arrangé. Il faut juste... ça, il faudrait les réparer. Je sais pas comment on les répare. Ah oui, il nous faut pas une caisse à outils nécessaire de couture. Ouais, une caisse à outils, quoi, en fait. Il faut une caisse à outils. Ou alors peut-être à la fraiseuse, là, je crois. Non, je pense pas qu'il y avait l'option pour réparer ça. Je me rappelle plus. Les bottes en peau. Il nous faut 3 pots de serre. Je crois qu'on en a que 2. Donc ça aussi, on va pouvoir les utiliser au moins. Genre sur les... ouais, sur les 2, là. Il nous faut 2 boyaux qui vont bientôt être finis. Donc ça, on pourra partir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je pense qu'on est bon. Là, on a fait tous les trucs en peau de lapin déjà. Tous les vêtements en peau de lapin. Donc c'est très bien. On a fait des fûts de flèche. On en a 6. On a encore des bois qui sèchent pour faire des arcs. On en a 2. Donc ça aussi, on pourra les prendre avec nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 3 têtes de flèches. On peut faire à la limite des flèches. C'est combien de temps les flèches? Je me rappelle plus. Les flèches. Flèches simples. 1h05. Ouais, 2h, quoi. Je sais pas voir si on a... Avec ça, non. 1h05. Ouais, mais là, je vais pas avoir le temps, là. Là, je vais pas avoir le temps, il fait nuit. Donc, on va pas faire ça. On va faire ça demain. Enfin, demain, le jour d'après dans le jeu. On va faire ça après. Je pense que ça peut être pas mal, peut-être, déjà utiliser les pointes de flèches, en fait. Comme ça, ça nous fera déjà des flèches qui sont refaites. Ouais, déjà, ce serait pas mal, ça. Ce serait déjà pas mal de faire ça. Vous voyez, on va vraiment utiliser tout le matériel, en fait, qu'on laisse ici. Et après, on va partir. Mais on va déjà d'abord tout épuiser, en fait, ce qu'il reste. Ah, il y a l'autre loup aussi, avec les boyaux et la viande à récupérer. Merde. Ah, putain, il faut récupérer ça aussi. Chier. Là, on a plein de trucs à faire. Ok, on va dormir.
On va dormir. Ouais, on a l'autre loup aussi. Alors, reviens en pleine forme, ça marche. Je dirais à la limite, ce qu'on peut faire, c'est peut-être commencer à bouger les choses. Les plumes, on va les laisser. Oh, putain, je vois rien. On a deux peaux de lapin ici. Est-ce que on les prend avec nous, les peaux de lapin, ou pas? Après, c'est que des bois. Ok. On va peut-être commencer à bouger les choses. Je suis en train de me demander. On n'est pas encore en surpoids. On est à 40. Parfait. Enfin, après, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on ramène en fait à Blackrock? Genre faire des têtes de flèches. On les fait où, les têtes de flèches? Les têtes de flèches, il faut une forge. À Blackrock, c'est pas une forge. On peut pas faire des têtes de flèches à Blackrock. Donc ça sert à quoi de prendre du métal? Autant le laisser là, non? J'en sais rien. Après, j'ai envie de dire que Blackrock, c'est une... c'est un endroit qui est plus intéressant que... que ici. Parce que ici, c'est un endroit qui est même pas sur la carte, en fait. Si je dis pas de bêtises. C'est même pas écrit, en fait, sur la carte entière. La grande carte. Juste au cas où qu'il n'y a pas... Non, ça va. Très bien. Donc, autant mettre les objets importants aux gros endroits, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, même si je ne me rappelle pas. La logique des choses serait d'aller dans les gros endroits où on est resté longtemps. Et là, on aura des objets à l'intérieur de ces endroits. Je sais pas, ça me paraît logique. Très bien. Ok, très bien. Ok, on commence à tout transférer en fait d'un côté et de l'autre. Comme ça, on va pouvoir partir, retourner à Blackrock. Aller voir nos chers loups gris et tout ça. Alors, ça c'est sec, ça c'est sec. Là, on a. Donc, j'ai quoi à déposer? Alors, j'ai du bois, on va mettre ça à côté du feu. Donc, on a 5 là, on a. On a du métal à déposer, du métal. On a... c'est bien, on l'a mis avec... c'est pas grave. On a deux pots. Tac, tac. Poyau séché, on peut déjà... utiliser les serres. Ok, on peut en faire un à la limite. Comme ça, ça nous fait passer le temps. Boyau séché. Alors, on voudrait d'abord faire les bottes. Les bottes. Réparer. Dans le noir, ok, ça marche. Donc on va faire ça après.
dessous, il n'y a rien. C'est bon, c'est nickel. Il y a la nourriture. Non, on a 6 litres. Ah oui, 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 l'eau aussi. Beaucoup d'eau. Mettre 5 litres. Ici, très bien. On a de l'eau maintenant ici. On est à 37 kilos. On a 37 kilos parce que j'ai des trucs sur moi. Ok. Maintenant, on est réchauffé au maximum. On va aller dépecer le loup et tout ça. On va aller faire ça. Il est juste devant la grotte, donc ça va, c'est bien. On va récupérer la viande et les boyaux. Voilà, parfait. Nickel, nickel. On re-rentre. On se réchauffe en réparant nos bottes. Voilà, donc là, hop, hop, hop. Il y a des boyaux. Très bien. Ah putain, ça passe à travers, quoi. Là, sur la pierre, ça aurait été cool, là, en fait, de mettre tous les pots et les boyaux et tout ça. On va se réchauffer, donc, en faisant les bottes. On fait voir combien de temps ça prend. 1h40, 48. Ah, c'est pas mal. Ok, nickel. Niveau up ou pas? Non, pas niveau. Nickel, nickel, nickel. Ça marche. Alors maintenant, on retourne. Attendez, parce que c'est compliqué. On retourne à l'autre endroit. Pour faire des flèches. Ok, on retourne à l'autre endroit pour faire les trois flèches qu'on peut, comme ça c'est fait. Et après, je pense qu'on est plus ou moins parti pour se casser d'ici. Ce sera sûrement dans le prochain épisode. Oh, y a un film que j'ai vu qui m'a rappelé beaucoup The Long Dark. Je crois que le titre c'est Arctic. Je l'ai vu sur Amazon Prime Video. Prime. Avec Mads Mikkelsen, l'acteur qui est dans Death Stranding par exemple. Pour ceux qui connaissent pas les films et qui connaissent les jeux plutôt. très bon acteur. Je sais plus sa nationalité, il est finlandais? Je sais plus. Il est pas américain. Mais je sais plus, bref. C'est l'histoire d'un mec en fait qui s'est crashé en avion. En Arctique. Et le film commence en fait en gros plusieurs, je pense, semaines déjà. Plusieurs semaines en fait après le crash. Et il est là à survivre en fait seul. Ça parle pas beaucoup dans le film du coup, parce qu'il est seul le mec, donc ça parle vraiment très peu, mais c'est intéressant, ça rappelle beaucoup The Long Dark. Par contre c'est nettement pire en fait, parce que c'est pas comme s'il y avait des forêts avec du bois à récupérer, vous pouvez pas faire de feu et tout. Genre à un moment il pêche, hein, il récupère un poisson, et il l'ouvre et tout ça. Et il le mange cru en fait, du coup. Sur le coup, je me dis, mais pourquoi il le fait pas cuire? Et après, j'ai eu le déclic que je me suis rappelé en fait où il était. Il n'y a pas de forêt là-bas. C'est pas comme si il pouvait faire une réserve de bois et faire un feu. Et après, faire cuire sa nourriture, quoi. Donc, ouais, honnêtement, c'est la merde là-bas. Si vous êtes paumé là-bas, bonne chance. Hein. Parce que là. Là, c'est pire que The Long Dark. The Long Dark, c'est au Canada, ça va. Il y a des forêts et tout ça, il y a des habitations. Mais ouais.
flèches simples. On peut les faire d'un coup, 5 heures. Ouais, on peut les faire d'un coup, honnêtement. On risque rien, il n'y a pas de problème. Il a sa routine et tout ça, genre il a une radio avec un générateur, donc toujours tous les jours, je crois, à une certaine heure, il va essayer de d'établir une communication avec quelqu'un, enfin, s'il y a du monde. Il regarde ses lignes de pêche. Ah, mais ouais. Ok, donc maintenant on a donc 3 fûts de flèches, on a 11, 12 flèches. On a 3 fûts qui nous restent, très bien, ici. Donc on a ça, ça, je sais pas si on les prend, boyaux frais, boyaux frais, boyaux séchés. Ok, très bien. Très bien, très bien, boyaux séchés. Donc on peut encore utiliser la peau de cerf qui nous reste, très bien. Les vêtements, bon ça sert pas à grand chose de les rafistoler, il y a que ça en fait qui m'embête. C'est la fourrure d'ours, mais je crois qu'on en a une à Blackrock, 100% certain. Donc ça, ça c'est bon, il y a ça aussi à réparer, ça m'embête ça par contre. Faut que je regarde comment on le répare. On a ça, on va le faire aussi. Allez, niveau up là-haut! Niveau up, vas-y, vas-y. Ok, d'accord. Ça monte jamais de niveau, quoi. Ça monte jamais de niveau. Raccommodage, oh putain, ça monte pas du tout, quoi. C'est ouf. C'est incroyable. C'est juste incroyable. La pêche sur glace aussi, c'est de la merde. Bref. Ok, donc on est à combien? On est à presque une cinquantaine de minutes de notre épisode. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va récupérer nos plumes. Alors la bombe de peinture, ouais, pourquoi pas. On peut faire ça, ça. On est à 37 kilos. Ok, on commence à être fatigué. On a ça à prendre. Amérable vert, qu'est-ce qu'il y a d'autre en dehors? Genre, qu'est-ce qu'on fait? On prend la viande et on va là-bas. Ok, on a un joli soleil. Il y a ça à prendre. Il fait pas du tout froid. On pourrait explorer, mais il y a strictement rien à explorer. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est un peu chiant. C'est quand il fait très beau. Mais ouais, il n'y a rien à explorer. On pourrait aller pêcher. Lol, on pourrait aller pêcher. Mais il faut descendre et tout. Il faut faire tout un détour en fait. Ça c'est chiant. Si on pouvait directement descendre, ça serait trop bien. Ça serait vraiment trop bien. Hop là, ok, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ok, très bien. J'ai tout pris? Non, je sais plus. J'ai un doute, j'ai un doute. Je crois pas que j'ai pris les bois en fait. Ouais, ok. Ça, ça. On est à 41 kilos, très bien. Hop, hop, hop. Ok, très bien. Hey, ciao. On retourne dans la grotte. On retourne dans la grotte. Ça, on laisse. C'est du bois et de l'eau. On a déjà de l'eau là-bas. Donc, on pourra faire un... Si jamais on revient, on pourra faire un feu. Jesus, it's cold. Et on pourra faire... Non, je sais pas. Ah, parce que si on pouvait... Genre directement avoir accès à cette saloperie de cabane là. Genre qu'il y ait une corde. Genre là. Ça serait nickel. Ça serait nickel en fait. Là je resterai en fait pour faire du feu. Honnêtement je resterai. Pas pour faire du feu. Pour faire de la pêche. Là peut-être que
Je resterai, volontiers. Mais non, parce qu'il faut redescendre par là, si je dis pas de conneries. Faut après bifurquer sur la gauche, remonter tout le long de la rivière jusqu'à la cabane. Non, c'est horrible, c'est super chiant en fait. Et le temps que tu fasses ça, t'as déjà perdu une heure et demie dans le jeu. Donc ouais, non, c'est relou. C'est catastrophique en fait. Et puis après... genre si t'es fatigué comme la dernière fois là, que ça s'est pas super bien passé, on était super fatigué, il fallait dormir à l'intérieur. Si jamais il fait froid, bah Corentin t'es dans la merde, lol. Tu vas te geler, tu vas te geler les fesses. C'est chiant. Hein. J'entends plein de bruit quand même ici. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller là-bas. Je sais pas. Je vais déposer les objets. Et je vais aller voir quand même. Juste au cas où. Parce que j'ai pas souvenir d'avoir inspecté en fait ce côté-là là, de la rivière. Bon, honnêtement, c'est un épisode cool, mais c'est pas palpitant, quoi. C'est sûr qu'on fait pas grand chose. J'avoue qu'on fait pas. On fait pas des masses, là. Voilà, on a tout plein. On a récupéré quand même pas mal de choses. Hein. J'avoue que. On a fait vraiment plein de saloperies. Alors, hop, très bien. On a deux gros. Non, trois même. Trois gros bois. Très bien. Alors, on a 3 morceaux de viande qu'il faudra faire. C'est combien celui-là? 800. Ok, très bien. On va les faire cuire. L'eau, on est bon. Ça, on le mange. Frais, boyau. Frais. Ça va pas être les mêmes pourcentages, donc on va faire comme ça. Boyau séché, ça c'est bon. Peau séchée. On va le faire avant qu'il fasse une nuit en fait. 95, 83. Ah merde! Ça utilise le kit de couture automatiquement. Putain, chier. Ça utilisait le couture, le kit de couture. C'est chiant ça. Kit de couture, je veux que ça soit pour les choses difficiles, longues, rares. Pas quand on a le temps, tranquille. J'ai vu que la nourriture, elle était un peu... elle commençait à être périmée. Je pense pas que ça soit grave. Que je réfléchisse un peu. Je pense pas que ça soit grave. De toute façon, on a encore ça, là. Toi, t'as juste ta peau. T'as la peau sur les os. Ok, elle est fatiguée. Mais je veux aller voir... T'as faim ? Ouais, t'as faim aussi. On va passer par là. Alors, fais voir. Essaye de pas tomber dans l'eau. Il n'y a strictement rien. Bon, bah voilà, c'était bien.
C'était très bien, strictement rien. Bon, on va rentrer. On va rentrer dans notre petite grotte. On va... Là, il n'y a rien non plus. On va rentrer dans notre petite grotte. On va faire un peu l'inventaire vite fait. De voir ce qu'on a, ce qu'on reste, ce qu'on laisse et tout ça. Mais je pense que là, on a bien fait. Là, on a récupéré les bois. Ah, les bois, je les ai pas posés. Donc, je les pose. Bois pour faire des arcs. On a fait des flèches en plus, 3 flèches en plus. On a récupéré les plumes. On a de la nourriture, on a de l'eau. On a de quoi faire du feu si on veut. Je pense qu'on est bingo là. Je pense qu'on est bingo. Je pense qu'on est plutôt tranquille. Très bien. On pourrait faire un feu maintenant, histoire de cuire les viandes. Je pense, non? Comme ça c'est fait. Ou alors on fait un feu la prochaine fois. Comme ça on prendra des thés, là, des tisanes. On les boit chaudes, peut-être. Enfin quoi qu'honnêtement je préfère... Ah j'en sais rien en fait. Ouais non on va les faire maintenant. Pour moi c'est un peu du gâchis en fait de faire du feu là maintenant. Avec ces viandes là. Parce qu'on en a pas besoin techniquement. Enfin quoi que si quand même. J'en sais rien en fait. Non, si on en a besoin. Si on en a besoin. Frais. De toute façon, on n'a plus de peau. Enfin, si on a des petites peaux. Alors, est-ce que les petites peaux, on les prend avec nous, les peaux de... Les peaux de lapin? Je sais pas. Le métal, je pense qu'on va le prendre. Ça fait combien? On a combien de kilos de métal, en fait? Déjà, je voudrais bien savoir. Oh ça va, on a moins de 2 kilos. Ça va, c'est pas la mort. Je pensais qu'on avait plus. Je pensais qu'on avait genre 6-7 kilos. Ça aussi il faudra le prendre. Et de toute façon on a plus de peau, on est d'accord. Je dis pas de bêtises. Non, on a plus de peau. Donc on peut plus réparer les vêtements, ça marche. Ouais, on va cuire quand même. On fera un épisode un tout petit peu long, mais on va cuire, allez. On va cuire les viandes. Et après, on va tout manger, on va dormir. Et on sera tranquille comme ça. Ça. Ouais, très bien. Après oui, c'est vrai que le problème aussi de faire cuire en intérieur, c'est qu'il y a pas le, ça sera pas changé par rapport à la température ambiante, parce qu'à l'intérieur il fait chaud. Donc là du coup en fait c'est... Oui c'est vrai que ça aussi c'est un truc à comprendre, c'est que si on fait cuire du coup, enfin si on fait du feu à l'extérieur, comme une personne me l'a rappelé en fait dans les commentaires, le fait que s'il fait plus froid, le feu dure plus longtemps en fait. Plus il fait froid et plus le feu dure longtemps. Et ben en intérieur en fait c'est faut pas faire de feu en fait, faudrait éviter à tout prix de faire du feu en intérieur parce que du coup vous avez pas le temps qui est froid en fait, pour rallonger la durée du feu. Donc ouais c'est vrai que ça aussi c'est assez marrant d'y penser. 49 minutes. C'est assez drôle quand j'ai pensé à ça. Voilà, parfait.
Ouais, non, on avait besoin en fait de le. Complètement besoin de faire ça. On a encore 3 minutes de feu. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, le sac de couchage, il a 60%, quoi. Ah ouais, ça c'est chaud par contre. Ouais, ça il va falloir faire attention avec le sac de couchage. Il va falloir le réparer. Hein. C'est ce qu'on va réparer à tout prix. Hein. Quand on aura notre peau d'ours. Quand on ira récupérer notre peau d'ours. Bon ben voilà, un bon épisode de... tranquille. On a réparé nos vêtements. Le plus qu'on pouvait. Regardez, c'est très bien, nickel. Nickel, nickel. On a fait des flèches. On a récupéré des bois. On a encore du gibier. On a du bois, ça on s'en fout. On a plein de massettes à prendre. Le métal, pourquoi pas. La fourrure. La fourrure, c'est combien de kilos? 0,10, on pourra la prendre. On a tout ça à faire aussi. Ouais, on a des trucs Jupiter à faire. Du barbe. Nickel. Nickel, nickel. Ça on laisse, ça on laisse. Les massettes. Les massettes. Combien on en a mis par terre? Et Interland, ce serait bien de faire des stacks, genre pas des objets uniques en fait, genre des stacks où que vous pouvez choisir le nombre qu'on peut poser et récupérer. Ce serait bien, on a 49, ouais, donc ça c'est bien les massettes, c'est cool. On est toujours à 39 kg, ça ferait 3 kg de plus. On approche des 45, on a de la viande et un peu de... Ouais, ça va être chaud avec le métal en plus. Parce qu'on a une corde à prendre. Faut penser à ça, on a une corde à prendre. On verra, on se débrouillera de toute façon. On se débrouillera. Ça marche. Allez, on va se remplir la panse et dormir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Faites attention à vous, à la prochaine. Dormez-vous bien, nous on va dormir un maximum. Et la prochaine fois, je pense qu'on partira, tout simplement. Ouais. À la prochaine, ciao ciao.